Bonsoir chers téléspectateurs de Klagemauer.tv. La course au profit encourage l'invention de nouvelles maladies. Le journal officiel de médecine allemand signalait déjà en 2002 que la maximisation des gains et la concurrence dans le domaine médical poussent à des mesures drastiques lors d'appels à de nouveaux marchés. Le but est de rendre malades tous les bien-portants. La façon dont cela est rendu possible nous est démontrée par exemple dans la nouvelle édition du MDS, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. La table des matières actualisée de tous les traitements pour personnes présentant des troubles psychiques doit paraître au printemps 2013. Les changements prévus dans la définition des diagnostics permettent de déclarer malade des millions de personnes. Les limites sont élargies. Une personne originale pourra par exemple être diagnostiquée comme ayant une personnalité schizoïde. Le timide recevra éventuellement l'étiquette de phobique sociale, etc. Ce qui est nouveau et grave, c'est aussi la possibilité d'établir un diagnostic sans symptômes clairs. Le syndrome de risque psychotique est un exemple pour de telles nouveautés. Si la course au profit pousse les médecins à créer de nouvelles maladies et que celles-ci sont soignées avec des antidépresseurs onéreux, alors la porte est ouverte à d'innombrables abus. Vous étiez sur le plateau français de Klagemauer.tv, le mur des lamentations. Nous vous souhaitons une bonne soirée.